Pierre Laurent du Parti communiste français, du PCF. Bonsoir Pierre Laurent. Bonsoir. Un jour de débâcle, de tristesse, d'accablement, de deuil pour le PS. Vous, à la gauche du PS, que réclamez-vous à François Hollande ? Je crois que la demande, elle est claire et nette. Il faut mettre fin à la politique d'austérité qui est menée depuis maintenant 18 mois. Elle nous a menés dans le mur parce qu'il y a eu encore les chiffres du chômage cette semaine qui l'ont montré. Elle n'indique pas le chômage et elle produit une catastrophe politique pour la gauche. Donc je crois que toutes les forces qui veulent converger pour mettre fin à cette politique et remettre la gauche sur ses rails, c'est-à-dire vers une politique de relance sociale, doivent le faire maintenant. Et mon appel s'adresse pas seulement à la gauche, comme vous dites, mais à l'ensemble de ceux qui, à gauche, ont envie de ne pas en rester là après une telle catastrophe. Mais Jean-Michel Apathy. Je sais pas, la relance, pourquoi pas, mais avec quel argent ? Il y a des déficits partout. Ça fait 30 ans qu'en France, on fait de la dépense publique. Regardez le résultat auquel on est parvenu. Jean-Michel Apathy, il n'y a pas du déficit partout. Regardez la courbe des dividendes qui ne cesse d'augmenter l'an dernier encore, alors que précisément cet argent manque à l'investissement public et à la relance sociale. Il faut donc s'engager dans des programmes qui soient des programmes qui à la fois répondent aux besoins sociaux mais vont créer de la richesse. J'aimerais bien que vous nous disiez quelles sont les villes que le Parti communiste ou le Front de gauche a gagnées aujourd'hui. Écoutez, je n'ai pas tous les résultats, et notamment je n'ai pas ceux de région parisienne. Mais nous avons contribué par exemple à la victoire à Avignon, mais c'est vrai que nous avons gagné une ville par exemple dans le Calais, nord, une ville de plus de 10 000 habitants à Onin. Mais le front de gauche, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas tous les chiffres, semble très largement maintenir ses positions, et les villes que le Parti communiste dirigeait sont maintenues dans un très grand nombre de cas. Pas toutes, Calais, il est vrai. Calais, Bourges, Bobigny, vous avez le résultat ? Non, Calais, nous n'avons pas gagné la ville. Nous l'espérions, mais nous n'avons pas gagné la ville. Et C'est ce que je me rappelais de la semaine dernière. C'est ce que vous nous aviez dit. Oui. On espérait gagner Calais, mais c'est vrai que la vague de droite qui s'est confirmée au deuxième tour nous a empêchés, ne nous a pas permis de remporter cette victoire. C'est une bataille que nous continuerons à mener. Pierre Laurent, pour terminer, à l'instant, Michel Sapin, donc le ministre du Travail, dit au pouvoir, on ne change pas de direction continuellement. Votre réaction ? Écoutez, le problème, c'est qu'effectivement, on n'en a pas changé depuis 18 mois. Dès le lendemain de l'élection présidentielle, on a pris une mauvaise direction et on persiste dans cette direction. Le message des électeurs est maintenant très clair. Il faut changer de direction et il ne faut pas une petite inflexion. Il faut un changement de cap à gauche extrêmement sérieux et nous allons travailler à cela dans les jours qui viennent. Merci, Pierre Laurent.